C'est quoi ça? Moustique en France. Bon, je vais porter mes lunettes 3D pour vous expliquer l'esprit. L'esprit qui lule. Imaginez-vous un instant si la jouissance durait 30 secondes. Imaginez. Vous savez, il y a beaucoup de sorciers dans la vie. Les gens veulent me tuer. Dans la nourriture maintenant. Si ce n'est pas pour gâter mon nom, si ce n'est pas pour prendre nom à moi, et puis demain se rebeller, pour dire que ce n'est pas à cause de lui et une nom. On les a appelés les hommes, ils se sont plaints. Aujourd'hui, ils ne s'appellent plus les hommes. Aujourd'hui, on dit Bokopé. Bokopé qu'on propre maintenant, cuit là. C'est ça. Plus des hommes. Maintenant, c'est Bokopé. Je vais manger dans un restaurant, on m'envoie une nourriture où la nourriture est vraiment bizarre. Et dans la nourriture, j'ai senti des petits trucs dedans qui m'ont donné des palpitations intestinales, ventales. D'ailleurs, appelez-le en plein stand-up. C'est quoi? Arrêtez, il faut arrêter maintenant, arrêtez, mais merde, arrêtez. Donc, désormais, j'ai décidé de me balader avec mon cuisinier quand je vais dans mes spectacles, c'est-à-dire qu'on m'invite dans un restaurant. Moi, ma nourriture, ce sera Petit Moussa qui va cuisiner pour moi. C'est-à-dire quand je viens avec Petit Moussa, au lieu qu'on prépare en place, c'est Petit Moussa qui rentre dans la cuisine et qui prépare ma nourriture que je vais demander pour manger. Ouais, on ne baise pas parce qu'il faut baiser. Non, la baise se fait avec, comment on dit ça, avec le linguistique cuisse bilulule en rentrant vers le nord de la France par rapport aux élections. Qu'on vote, vous savez pas ça. Toto vote. En faisant l'amour, il faut prendre les entrailles. Passant par Bobo, vers Sampologo, qui a effrayé beaucoup de personnes, en allant vers le Manguier de Montpellier, à la Bissa Club. Il y a une grotte. Il fait chaud dans la grotte. Donc, en partant dans la grotte, il y a un policier. Il y a toujours un policier qui est à la porte. Il s'appelle Petit Policier. Et le petit policier est là pour contrôler les passeports et les pièces d'identité. Des hommes longs avec des nerfs sur eux qui viennent vers le policier et qui tendent leurs pièces d'identité. Quand tu es une pine sans nerfs, tu ne rentres pas dans la grotte. Mais quand il y a les nerfs sur la pine, le policier te laisse passer dans la grotte. Et là-bas, il fait chaud. Et tu es obligé de rentrer, de ressortir, de rentrer, de ressortir. Et en ressortant, il y a ce qu'on appelle. Bon, les Français appellent ça les éjaculaires. Chez nous, on dit palpitation ethnicale juiticule. La jusculance. Mais nous, pour nous, ça dure 30 secondes. C'est les oh Maghriba, yeah, Yagakwa, yeah, Bokopé, yeah, Ara, Soka, Eupelele qui veut dire. Les peuls sont gentils. Donc, c'était le linguistique en cuisson des dents. Voilà. Donc, je vais vous laisser la place à un de mes grands frères qui s'appelle Landry. Vous ne connaissez pas son visage, mais je vais l'appeler. Tu viens ici, monsieur Landry. Viens, viens, viens. Viens t'asseoir à côté de ton frère. Voilà. C'est lui, Landry, depuis avant. On ne le connaît pas. Ça, c'est les poils de loup-garou. Voilà.
Donc, Landry, tu vas nous raconter une petite histoire, l'histoire de la petite histoire là, Simplement. du monsieur qui va au travail et sa femme qui se tape les mecs chez elle. Non, je me rappelle, t'avais raconté ça une fois Oui. là. Ah mais. Oui, tu veux la lunette 3D pour expliquer ou pas? Bon, parle, c'est pas net. Voilà. Il souffle. C'est fini. On dit pas ça comme ça, on dit ça fanait. C'est fanait. C'est fini. Voilà. Raconte-nous l'histoire de cette Vous demoiselle. savez, il y a un monsieur qui ne s'est pas brossé pendant 18 ans. Et ce monsieur, il est assis dans le bus, comme ça. Les contrôleurs sont montés. Monsieur, votre ticket? Il regardait le monsieur. À haute voix, on n'entend pas. Et je vois, il regardait le monsieur comme ça. Il lui disait, ce qui veut dire, quitte là, parce que s'il parle, ça va sentir le sousoupo. Le sousoupo qui veut dire la bouche pue, ampulance poupouine. Donc le contrôleur dit, monsieur, votre ticket. Et le monsieur lui a dit, il y a quoi? Il est tombé. Du coup, son collègue qui était en bas est monté dans le bus. Voyant son collègue à terre, qui bavait d'une bavance, bavastou kalachaman. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il se renseigne auprès d'un client qui était dans le bus. Le gars lui dit, mais le monsieur qui est là, il n'a rien dit. Il lui a dit seulement que y a quoi. Et voilà le résultat de y a quoi. Il vient maintenant vers le mec. Il dit au mec, mais qu'est-ce que tu as fait à mon collègue? Et le gars lui dit, ce qui veut dire, c'est que vous savez. Le gars dit, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est quoi? Imaginez la suite. Le monsieur mourut. D'un mourance. Mourut le pelisque comme un mari, papa. Oh! Je sais pas où. Merci. Ça fanait.